est insuffisante. Assaut.com, toi des dieux. Pardon. Dans ce cas, mais il est, on sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. Pardon. Là, on t'a cassé des yeux, là, on t'a déshonoré. Là, on t'a brisé des cœurs, mais ça n'a jamais tué. Oh, hey. Alors, bullshit, libérez Bagbo. Bagbo Laurent. Nous savons tous la proclamation des juges à la Cour pénale, où nous avons deux juges qui disent qu'il faut un procès contre le président Laurent Gbagbo et une juge qui s'interpose pour dire que le dossier est vide. Voilà comment se présente ce cas. C'est pour vous dire que nous sommes là pour une discussion aussi fraternelle, pour un panel de conversations et d'échanges d'idées et de propositions. Voilà, nous avons des invités qui sont venus de la France. Donc je voulais être très court pour laisser la parole au représentant qui doit ouvrir la séance, parce que je ne suis qu'un signe précurseur. Et voilà, je vous dis encore une fois, pardonnez-nous. Vraiment, merci que vous êtes là. Merci. Voilà. Ouais, je ne sais plus ce que je vais dire, hein. Parce que le modérateur, le pilier, il a déjà tout dit. Mais vous me permettez que, très modestement, je vous dis merci. Dans un premier temps, je voudrais dire bonne arrivée à nos honorables invités, Madame la ministre. Soyez la bienvenue. Chère mère, oui, il faut dire, parce que c'est le premier signe de l'amour de notre guide, si je peux, si j'ose ainsi employer le mot guide, mais de notre leader, Madame Jacqueline, soyez la bienvenue. Merci. Camarades, militantes, militants, la joie est immense, notre joie est immense. Mais nous pleurons, hein, parce que la situation fait que nos larmes n'ont pas encore cessé. Vous êtes là, malgré toutes les difficultés que vous avez consenties toute la semaine de travail. Normalement, vous seriez à la maison, chez vous, pour vous reposer. Mais puisque vous êtes des combattantes et des combattants, vous avez dit oui, la fatigue elle est là, mais la lutte est permanente. Et donc vous vous êtes déplacé, vous avez répondu à l'appel du parti qui est représenté par sa cellule qu'on appelle la représentation du FPI. Je voudrais vous dire merci. Merci pour tous ces efforts que vous avez consentis pour être là. Soyez les bienvenus. La main dans la main, on ira jusqu'au bout. Merci, la science est ouverte. Du plan social, le plan intellectuel, parce que tout contre elle, nous parlons du docteur. Voilà. L'université, voilà. Donc elle va simplement nous parler du président Laurent Gbagbo, parce qu'on a besoin aussi
Voilà, de savoir et d'approfondir notre connaissance. Voilà, madame, on vous applaudit si on vous laisse votre chance. Je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir permis de faire votre connaissance avec tous. Donc je pense que le premier film qu'on a vu, j'aime beaucoup ce film, je trouve qu'en quelques 10 minutes, il donne vraiment un aperçu de ce qu'a été l'enfance, la formation, l'encadrement de Laurent Gbagbo. Hein, j'irais presque jusqu'à dire qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter parce que tout est là, en fait, parce que l'éducation de ses parents, hein, qui était une bonne éducation. Ensuite, sa formation, bon, il dit que les lettres classiques, à un moment donné, bon, il s'est tourné vers autre chose, mais en réalité, ces lettres classiques lui ont nourri complètement l'esprit. C'est une des causes qui font que, effectivement, il est devenu ce qu'il est. Parce que quand on fait des lettres classiques, quand on fait du latin et du grec, on apprend par-dessus tout ce que c'est que la politique, et ce que c'est qu'un citoyen, et ce que c'est que la démocratie, avec la démocratie en Grèce, enfin, avec tous les problèmes que ça peut poser. Donc je pense que toute sa conception de la vie, on la retrouve là-dedans. Et qu'est-ce qu'un humaniste? C'est quelqu'un qui pense que l'homme peut changer les choses, que l'homme peut changer la vie, que l'homme peut changer le monde, qui croit en l'homme, hein, en gros c'est ça, et qui par ailleurs considère que tout homme a la même valeur, c'est-à-dire que quel que soit son rang social. Donc je pense qu'effectivement, quand on regarde ça, on voit que c'est complètement aux antipodes de l'image qui a été fabriquée et véhiculée depuis, en gros, les années Chirac, ensuite en passant par Sarkozy, avec le soutien regretté évidemment par beaucoup du Parti Socialiste français. On voit très bien que ce qu'il est en réalité est aux antipodes de l'image qui a été donnée, qu'on a voulu accréditer. Donc on se trouve devant cette difficulté qu'il faut montrer la véritable image de Laurent Gbagbo à ceux, parce que bon, évidemment, ceux qui sont ses partisans en sont déjà convaincus, mais bon, il y a tous les autres qui se posent pas de questions et qui croient ce qu'on dit dans les médias. Donc ces valeurs, les valeurs humaines, on peut se poser la question, pourquoi malgré tout cet acharnement contre lui, parce que ça aurait pu être contre une autre personne, pourquoi cet acharnement qui a conduit à le renverser par la force, à l'enfermer à la CPI. Donc moi je vois deux aspects sur le plan, alors je ne parle pas là de l'aspect politique dont parlera Madame Owishi tout à l'heure, je parle des aspects proprement humains, psychologiques. Là je vois deux aspects, d'une part c'est une personne qui a l'esprit libre, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas impressionner par le rang hiérarchique. Je pense que c'est une de ses caractéristiques. Et l'autre aspect, c'est qu'évidemment, il aime son pays. Il pourrait avoir l'esprit libre et puis, bon, être allé vadrouiller dans le monde, faire des affaires. Bon, non. Il a voulu rentrer en Côte d'Ivoire, s'occuper de la Côte d'Ivoire. Toute son œuvre, elle vise à ça, c'est-à-dire que dans ses livres, on trouve son programme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le programme avant d'être élu à la présidence de la République. Il n'a pas été élu, puis après, on va faire ça, ou un petit peu, petit bonheur la chance. Non, il a travaillé sur un programme. Donc, aujourd'hui, on se trouve devant une situation où Laurent Gbagbo est enfermé à la Cour pénale internationale. Et dans ce contexte, je dirais que ce n'est pas seulement un déni de justice. Je pense que dans cette salle, on en est tous convaincus, mais c'est un défi à l'intelligence, parce que c'est enfermer quelqu'un pour des crimes qu'il est impensable qu'il ait pu commettre, parce qu'ils vont complètement à l'encontre de son idéologie, de ce qu'il a toujours préconisé, et de son comportement au quotidien,
Bon, que ce soit avec l'homme de la rue ou dans un gouvernement, enfin voilà. Donc ça va complètement à l'encontre. Mais par ailleurs, je pense que en confirmant les charges, la Cour pénale internationale s'est mise dans une impasse. Parce que justement, il y a le problème, il est là. Et que après 3 ans pendant lesquels en Occident, on a fait le blackout sur la Côte d'Ivoire, pas seulement sur Laurent Gbagbo, mais sur la Côte d'Ivoire en général, en confirmant les charges, finalement, la CPI va obliger les journalistes, va obliger un certain nombre de personnes qui finalement trouvaient la situation confortable à sortir du bois, parce qu'il va bien falloir qu'ils se positionnent. Quand il va y avoir... Bon, déjà, on voit que plusieurs livres sont sortis dernièrement. Bon, le dernier en date, évidemment, étant celui des entretiens du journaliste M. Mattei avec Laurent Gbagbo, au terme d'un nombre relativement important de visites à La Haye. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Finalement, la défense va devoir développer de manière très précise son argumentation. Et en fin de compte, au lieu d'oublier Laurent Gbagbo, ce qui était le souhait au départ en le mettant à la CPI, on va au contraire le découvrir. Les gens qui ne le connaissaient pas vont dire « Ah, ben oui, en effet, on ne le connaissait pas, on ne savait pas, etc. » Et finalement, ça va être une porte pour le découvrir. Donc c'est pour ça que je dis la CPI s'est mise dans une impasse en confirmant ses charges. Et je pense même qu'on peut aller jusqu'à dire, au moins au niveau de l'Afrique, que Laurent Gbagbo sera un point de démarcation. C'est-à-dire que les intellectuels, les membres des organisations politiques des pays africains en particulier pourront pas dire « Oh ben moi je sais pas, je reste entre deux eaux ». Ils seront obligés de choisir. Ils seront obligés de choisir et de dire « Ben oui, Laurent Gbagbo est à tort, ou il est à tort à la CPI ou il n'y est pas ». Enfin, je veux dire, il n'y a pas de position intermédiaire en fait entre les deux. Et d'autant plus que on voit maintenant que la CPI a joué le rôle de complément par rapport à la politique répressive qui est menée en Côte d'Ivoire par le régime de Ouattara. C'est-à-dire que qui dit Laurent Gbagbo à la CPI dit les 800 prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a une complémentarité qui va devenir de plus en plus évidente. Et entre parenthèses, actuellement... Les photos de prisonniers politiques qui ont été torturés sont regroupées. Il y a un travail qui est fait par certaines personnes pour les diffuser un maximum dans les médias. Bon, ça permet de faire le lien en fait entre les deux choses, parce qu'il n'y a pas d'un côté Laurent Gbagbo à ses pays, puis de l'autre une situation en Côte d'Ivoire qui irait mystérieusement bien. Enfin voilà. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité entre les deux. Alors, à mon niveau personnel, comme je pense qu'il ne faut pas que le soutien à Laurent Gbagbo reste exclusivement du domaine de ses partisans. Donc, qu'il soit au FPI, qu'il soit dans d'autres mouvements politiques, il y a d'autres mouvements politiques, tous les mouvements de patriotes. Il faut qu'il soit plus large. Et c'est pour ça qu'à mon niveau, je me suis engagée avec d'autres personnes dans la création d'une association, des amis de Laurent Gbagbo, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est tout récent, hein, puisque l'association, elle a été créée début mai. En fait, elle a repris des idées qui existaient, mais qui ne s'étaient pas concrétisées, parce que c'est toujours compliqué de mettre en œuvre les choses. Là, c'est concrétisé, c'est-à-dire l'association a une existence légale, c'est une association loi 1901, donc à laquelle, et qui est ouverte à toute personne. Donc, personne physique, hein, ce n'est pas un regroupement de mouvements politiques, personne physique, donc, qui veut soutenir Laurent Gbagbo, quel que soit, par ailleurs, c'est son appartenance politique. Ça peut même être sans aucune appartenance politique, simplement parce que, voilà, on l'aime bien et qu'on a envie de le soutenir. Donc, les caractéristiques de cette association, c'est que
Donc d'une part, elle est largement ouverte, et d'autre part, elle vise évidemment à contribuer à sa libération, bon, avec toutes les personnes qui veulent sa libération, mais aussi sa réhabilitation. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur justement l'image de Laurent Gbagbo, de manière à lui redonner sa place pleine et entière dans l'assemblée de toutes les personnes qui ont contribué au progrès social, en particulier en Afrique. Voilà, c'est à peu près. Maintenant, on peut débattre après plus en détail. Et puis bon, si vous avez des renseignements sur l'association, je pourrais vous en donner. J'ai apporté de la documentation. Donc pour vous pourrez voir comment peut se faire l'adhésion à cette association. Là, hier soir à Paris, il y a eu une conférence justement organisée par l'association sur le thème Laurent Gbagbo à la CPI, besoin de justice ou incarcération politique. Merci beaucoup. Chers amis, chers frères, merci d'être venus nombreux parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est toujours lui qui nous rassemble. Et tout à l'heure, quand on a présenté le film, je me suis mise un peu à l'écart là, parce que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je l'ai vécue. Je l'ai vécue, et quand on me ramène dans ce contexte là, c'est un peu difficile parce que je crois que je ne suis pas guérie. Je pensais qu'en étant en France, en exil, et en écrivant un livre que j'ai sorti sur la crise post-électorale, je pensais que ça allait être une sorte d'exutoire et que j'allais guérir, mais je pense que je ne suis pas totalement guérie. Et ça, il y a encore du travail à faire. On m'a dit de parler de Laurent Gbagbo, le panafricaniste, parce que c'est un aspect du combat de Laurent Gbagbo qu'on ne perçoit pas très souvent. Les Ivoiriens se sont appropriés la lutte de Laurent Gbagbo, et c'est bien. Mais il faut aller au-delà. Laurent Gbagbo, c'est un panafricaniste. Il est dans la lignée des Nkrumah, il est dans la lignée des Jomo Kenyatta. Il fait la somme de tous ces héros du panafricanisme. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes, la lutte de Laurent Gbagbo doit pouvoir transcender la Côte d'Ivoire et toucher les autres Africains. C'est pour cela que je voulais saluer les Africains qui sont dans la salle ici, qui ne sont pas Ivoiriens. Je voulais les remercier d'être venus à cette rencontre-là, parce que Laurent Gbagbo n'est plus Ivoirien seulement, il est Africain. Alors, j'ai fait un rappel très bref de ce que c'est que le panafricanisme, parce que souvent on en parle, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais le panafricanisme, selon la définition que ses fondateurs lui ont donnée, c'est de permettre au continent africain de décider par lui-même. C'est-à-dire que le panafricanisme est né au moment où il y avait la colonisation en Afrique. Et les Africains ont dit que c'est trop d'être colonisés par l'Occident. Il faudrait qu'ils prennent leur indépendance, il faudrait qu'ils agissent eux-mêmes et qu'ils sachent faire ce qui est bien pour eux-mêmes. Si on veut schématiser le panafricanisme, c'est ça. Faire en sorte que les pays africains soient souverains, qu'ils prennent eux-mêmes leur destin en main et qu'on ne soit pas toujours en train de leur dicter les choses. Ce qui est étonnant, c'est que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Il faut le savoir. Le panafricanisme est né dans les colonies anglo-saxonnes d'Amérique, dans les îles anglo-saxonnes de l'Amérique. Donc c'est des Noirs, mais des Noirs qui sont issus de l'esclavage et qui ont pris la décision de créer ce courant de pensée pour dire que les Africains, partout où ils se trouvent, doivent former une communauté unique. C'est-à-dire que ce soit des descendants d'esclaves, que ce soit des Africains qui sont sur le continent africain, il faudrait que tous ces Africains-là, que partout où ils soient, que le contexte géographique ne soit pas un handicap, mais qu'ils doivent tous se mettre ensemble, se réunir et mener le combat contre les oppresseurs. Voilà ça, voilà la philosophie donc de ce panafricanisme-là.
Et donc, les pères du panafricanisme, c'est des gens comme Marcus Garvey, vous avez entendu parler de lui. Il y en a bien d'autres, les Du Bois, etc. Ce sont des anglo-saxons, des gens qui sont des îles et qui ont créé ce courant de pensée. Maintenant, comment est-ce que le panafricanisme a fait pour arriver en Afrique, étant entendu qu'il n'est pas né en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure? Eh bien, c'est des personnalités comme Kwame Nkrumah qui ont fréquenté ces pères du panafricanisme anglo-saxon et qui sont partis donc sur le continent africain avec l'idée du panafricanisme. Donc, au niveau de l'Afrique, si on veut bien voir, le héros du panafricanisme, c'est Kwame Nkrumah. C'est lui qui a théorisé le panafricanisme au niveau du continent africain et qui en a fait un courant politique très fort. À côté de Nkrumah, on peut citer aussi Jomo Kenyatta. On peut citer aussi une personnalité dont on ne parle pas très souvent quand on parle du panafricanisme, c'est le premier président du Nigeria. Il s'appelle Azikiwe. Ce sont des personnalités qui ont porté le panafricanisme. Mais quand on regarde l'évolution dans le temps de ce courant panafricaniste, on se rend compte que, évidemment, les opposants, sinon ceux qui sont contre ce panafricanisme sont forcément les pays occidentaux, les anciennes puissances colonisatrices qui sont contre le panafricanisme, parce que le panafricanisme permet d'éveiller la conscience des Africains. Ça permet de dire aux Africains, vous pouvez réussir, vous pouvez construire votre nation vous-même, vous pouvez construire votre pays vous-même, vous n'avez pas forcément besoin qu'on vienne vous dicter vos lois. On peut être panafricaniste et puis ouvert sur l'extérieur. Le panafricanisme ne veut pas dire que les Africains vont vivre dans une situation d'autarcie, se replier sur eux-mêmes. Non. Les Africains veulent décider d'eux-mêmes et puis établir les partenariats qu'ils veulent avec les Occidentaux. C'était ça le principe. Et donc, les anciennes puissances coloniales ne sont pas d'accord avec cette façon de voir parce que ça permet aux Africains d'avoir les yeux ouverts. Ça permet aux Africains de ne plus brader pratiquement leur matière première. Que les Occidentaux viennent chez nous chercher et dont ils font usage comme bon leur semble. Ça permet aux Africains de réfléchir par eux-mêmes, de ne plus être sous la dictée des Occidentaux. Pour donner un exemple, je dirais très rapidement, comme je l'ai dit la dernière fois à la conférence qu'on a faite au moment où on faisait le lancement de l'Association des Amis de Laurent Gbagbo, vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des conseils des ministres à l'époque, l'ordre du jour du conseil des ministres était dicté par la France. Ah oui, c'est-à-dire que si vous voulez faire un conseil des ministres d'un pays souverain, c'est que le président est assis avec ses ministres, il décide la marche du pays. On dit, bon, aujourd'hui, on va construire peut-être un barrage à tel endroit. Oui, c'est les autorités locales elles-mêmes qui prennent la décision. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, non, il faut demander d'abord à Paris s'ils sont d'accord de faire telle chose avant que la décision ne soit prise. Donc, on n'est pas indépendant si on regarde ça. Et donc, pour parler donc de ce panafricanisme, pour continuer là-dessus, je dirais que ces puissances coloniales vont mettre un frein au panafricanisme. C'est ainsi que les personnalités comme les Nkrumah ont été combattues d'abord par les Africains qui ont été manipulés, en quelque sorte, entre guillemets, par les puissances occidentales, et combattues aussi par ces mêmes puissances occidentales-là. Et on a vu comment Kwame Nkrumah a terminé sa vie. On lui a fait pratiquement un coup d'État au moment où il était en visite officielle. Il a fini où il a vécu en exil. Et puis après, il est mort vraiment dans des conditions assez difficiles en Roumanie. On prend le cas de Lumumba, qui était aussi un panafricain. C'est la même chose. On l'a livré à ses frères africains et qui l'ont kidnappé, qui l'ont tué. Et après, ce sont les Belges qui ont fait, et les autres puissances occidentales qui ont fait disparaître le corps. Le corps de Lumumba a été dissous dans de l'acide. Donc tout le courant panafricaniste, tous les leaders du système panafricain ont tous été plus ou moins liquidés, tués ou mis à l'écart par les puissances occidentales. Et c'est là-dedans que Laurent Gbagbo arrive. Et donc Laurent Gbagbo, en quelque sorte, reprend le combat des panafricanistes tels que les Nkrumah. Il reprend ce combat-là, là où les panafricanistes l'ont laissé. Parce que quand Nkrumah est mort, le courant panafricaniste s'est un peu éteint. Et puis il a ressurgi avec un monsieur comme Thomas Sankara, qui l'a porté. Thomas Sankara aussi a été tué par tous ceux qui étaient contre le système. Et quand Thomas Sankara a été tué, le panafricanisme s'est encore éteint.
Et puis Laurent Gbagbo est arrivé, il a remis le panafricanisme, donc on va dire, l'a remis sous les feux de la rampe. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à tous ceux qui sont toujours contre ce système, cette façon de penser. Et donc, on a vu tout ce que Laurent Gbagbo a subi. Et voilà, donc on peut dire de Laurent Gbagbo que c'est un panafricaniste de la lignée des Nkrumah. Alors, comment est-ce que ce panafricanisme dans la politique de Laurent Gbagbo se concrétisait? C'est par rapport aux différents aspects de sa politique. J'ai même noté un élément ici qui est important de savoir, c'est que même le FPI, le parti qu'il a créé, le FPI, on dit du FPI que le FPI veut faire de la Côte d'Ivoire une nation africaine, démocratique et socialiste. Donc le panafricanisme revient toujours dans la philosophie politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toute sa vie donc mené le combat pour la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il était au pouvoir, il a voulu diversifier ses relations commerciales avec les autres pays du monde. Il n'a pas voulu que les Occidentaux, notamment la France, lui dictent, comme l'a dit Jacqueline tout à l'heure, c'est un esprit libre. Il sait ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire et il voulait faire ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'était pas d'accord qu'il y ait une puissance au-dessus de lui, qu'elle soit une ancienne puissance colonisatrice ou pas, qui vienne lui dicter ce qu'il doit faire pour la Côte d'Ivoire. Il était excédé chaque fois qu'il entendait dire « Fais comme ça, tu vois, si tu veux réussir dans ta vie politique, il faut appeler le président Chirac ou bien il faut faire ceci, il faut faire ça. » Non, il ne pouvait pas supporter ça. Et il disait toujours à ses interlocuteurs qu'il interpellait sur la chose, il leur disait qu'il fallait qu'on le laisse diriger la Côte d'Ivoire comme il l'entendait, parce que lui, il sait, il est l'enfant du peuple, il sait ce qui est bien pour les Africains, il sait ce qui est bien pour les Ivoiriens, et il voulait qu'on le laisse conduire la Côte d'Ivoire comme lui, il le pensait. C'était ça, Laurent Gbagbo. Donc, il avait des projets comme l'assurance maladie, le secrétaire général en parlait tout à l'heure, le projet de l'assurance maladie, c'était de faire en sorte que les Ivoiriens puissent se soigner. Vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a 6% de la population à peu près qui bénéficie d'une assurance maladie. Je crois que vous qui êtes en Suède, vous savez que quand vous êtes malade ici, vous avez une assurance maladie, vous vous soignez correctement, etc. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Surtout les parents qui sont dans les villages, lorsqu'ils sont malades, si les soins de santé doivent coûter 1 million, ils doivent sortir 1 million. Évidemment, comme ils n'ont pas 1 million, donc ils meurent. Et le président Laurent Gbagbo a décidé de mettre en place ce système d'assurance maladie qui allait permettre aux populations de se soigner vraiment à moindre coût. Le mécanisme consistait à quoi? Ça consistait à faire en sorte que le paysan qui est dans son village et qui a payé sa cotisation, lorsqu'il a sa carte d'assurance maladie, qui va dans le centre de santé pour se faire soigner, qui ne paye rien du tout. C'est-à-dire que ses soins de santé étaient déjà pris en compte. Et cela allait permettre donc aux populations d'aller se faire soigner vraiment à moindre coût, et ça allait faire en sorte que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de 46 ans aujourd'hui, quand on voit dans les pays développés, l'espérance de vie, c'est dans les 80 ans, les gens vivent longtemps, à tel point qu'il y en a même qui souhaitent la mort. Mais en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie tourne autour de 46 ans, 50 ans, pas plus. Et avec la guerre, je crois que cette espérance de vie a encore reculé. Et donc, ce programme d'assurance maladie devait permettre donc à la Côte d'Ivoire de faire en sorte que les gens puissent se soigner et avoir des indicateurs socio-sanitaires qui soient un peu plus intéressants que ce que nous connaissons jusqu'à présent. On ne va pas tout développer ici, c'est juste pour donner quelques aspects de ce combat de panafricanisme que Laurent Gbagbo a toujours mené. Et c'est ce combat de panafricanisme-là, de souveraineté de l'Afrique, de la souveraineté des États africains, c'est ça qui l'a conduit aujourd'hui à la haie. Et moi, ce que je voulais dire pour terminer, c'est de dire aux Ivoiriens que c'est vrai. Ils sont en quelque sorte, avec Laurent Gbagbo, le porte-flambeau de cette lutte panafricaniste, on va le dire comme ça. Mais il faudrait que, je sais hein, que les Ivoiriens en ont gros sur le cœur, mais il faut aller au-delà de nos frustrations. Et j'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des Maliens qui, dans un passé très récent, ne comprenaient pas le combat que Laurent Gbagbo menait.
Il y a beaucoup de, pas tous les Maliens, hein, mais il y avait quelques Maliens, la grande majorité d'ailleurs, il faut le dire, pour être honnête, qui trouvaient que Laurent Gbagbo était un dictateur. Ou... Aujourd'hui, les Maliens comprennent ce qui arrive, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Parce que leur pays a subi le même schéma, coupé en deux. Le nord à partir de Kidal, ceux du sud ne peuvent pas aller. Et pourtant, il y a une force d'interposition française qui est là. Et quand les autorités maliennes du sud disent, mais attendez, nous on veut que notre pays soit réunifié. On dit, bon, ben, si vous voulez que votre pays soit réunifié, prenez vous-même les armes et puis allez-y combattre les Touaregs. Mais ils ne peuvent pas aller combattre les Touaregs, c'est pour ça qu'ils ont demandé aux Français de venir s'interposer et de faire en sorte que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Mais le Mali n'a pas retrouvé son intégrité territoriale. Et aujourd'hui, il y a des patriotes maliens, c'est-à-dire les patriotes ivoiriens qu'on a eu en Côte d'Ivoire, qui sont battus contre la présence française en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il y a des patriotes maliens qui se battent pour que les forces françaises quittent le Mali. Et donc, ça, et en Centrafrique aussi, c'est même, la même chose. Un peu partout, c'est pareil. Donc, le combat de Laurent Gbagbo avec la situation qui se passe, les gens commencent à mieux comprendre cette situation-là. Et ce que je voulais vous demander, vous les Ivoiriens, c'est de donner la main à tous ces Africains qui sont en lutte pour leur souveraineté, pour qu'ensemble, on puisse... parce que l'ennemi, il est coriace. Hein, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est un combat de longue haleine. Et si les Africains sont solidaires, s'ils se donnent la main, je pense qu'ils peuvent arriver à bout. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais vous remercier de m'avoir entendu. Merci. Il est temps d'attaquer me faire des chattes. Et voilà, c'est de Laurent Gbagbo que le FPI a décidé aujourd'hui. Merci Pierre. Auparavant aussi, ils avaient décidé d'un secrétariat pour les réfugiés et tout. On n'a pas vu les résultats. Est-ce que ce n'est pas une façon de se débarrasser des problèmes de Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce que le FPI, la direction elle-même du FPI, ne se charge pas de cette problématique-là et puis on délègue ça à un secrétariat? Ça m'a l'air un peu trop bas. Alors, est-ce que ça va être dilué aussi comme le problème de réfugiés? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Afingessa ne prend pas la chose en main lui-même et puis fait de ça une priorité? Opération Gbagbo Laurent, priorité du FPI, pas du secrétariat. C'était ma question, c'était ma préoccupation. Merci beaucoup. Moi, j'avais voulu que le camarade représentant donne l'information parce que lui, il est la personne la mieux indiquée. Mais comme il a dit lui-même, il n'a pas reçu de notification officielle qui va dans le sens de la question que vous avez posée. Donc, officiellement, il n'est pas saisi qu'il y a un secrétariat qui est chargé de la libération du président Gbagbo. Maintenant, moi, à mon niveau, ce que je vois, connaissant un peu la manière dont le FPI fonctionne, c'est que le FPI veut montrer à l'opinion et aux Ivoiriens qu'il y a une lisibilité dans le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Si le FPI a décidé de mettre un secrétariat national, parce que le secrétariat national, son rôle, c'est de réfléchir sur un certain nombre de problèmes. Donc, la libération du président Laurent Gbagbo fait partie de la priorité du FPI. C'est pour cela qu'ils ont mis en place un secrétariat national chargé de ce dossier-là. Ça ne veut pas dire que le parti se désengage. Parce que le secrétariat général fonctionne, si tu veux, à travers les secrétariats nationaux qui sont créés. Et ces secrétariats nationaux rendent compte maintenant à l'ensemble des militants. C'est-à-dire que le FPI, ce n'est pas Afingessa. Lui, il est le président, il coordonne tout. Mais le secrétariat national, lui, son rôle sera uniquement là pour mener le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est devenu un dossier technique, en fait. Donc, il faut un groupe technique pour réfléchir à la chose, regarder au niveau des avocats comment les choses se passent, est-ce que c'est accéléré, est-ce que c'est pas accéléré, booster un peu. Là, il y a une lisibilité dans le combat. Mais Afingessa tout seul ne représente pas le FPI. Je ne sais pas si j'ai réussi à expliquer. C'est normal qu'il y ait un secrétariat national chargé de cette question qui est importante. C'est comme il y a un secrétariat national chargé des questions des personnes handicapées. Il y a un secrétariat national chargé de la politique publique.
qui a été élu, qui dirige un État. Mais le président de la République, il n'est pas tout seul là à s'arrêter pour dire je vais faire ça, je vais faire ça. Il s'entoure d'une équipe. Il délègue ses missions à, peut-être à des ministres qui sont dans un domaine technique bien précis. Et tout ça concourt à la mise en œuvre de la politique globale de ce président de la République-là. Donc c'est la même façon, c'est-à-dire que maintenant que la CPI a décidé d'amener Laurent Gbagbo en procès, donc ça devient une exigence, ça devient une nécessité pour le FPI de s'engager véritablement dans ce combat. Et Afingesan tout seul n'a pas les éléments qu'il faut pour mener la lutte. Donc il s'entoure, il met à ses côtés un secrétariat qui est chargé de réfléchir, il y aura des juristes, il y aura des hommes compétents qui vont maintenant faire des propositions au président du parti. Et le président du parti va s'armer de cette décision-là pour mener son combat. Parce que lui seul, il ne peut pas le faire. Voilà comment ça, je pense que ça, c'est pour ça qu'il a créé ça, pour se faire entourer. Non, moi c'était dans les mêmes idées. C'était pour dire que c'est un comité de réflexion en quelque sorte et soumettre c'est que le résultat au président du parti afin qu'ils puissent décider ensemble. Sinon, ce n'est pas une façon de se débarrasser. J'ai deux questions. La première question, c'est quand Laurent Gbagbo était le président et que vous étiez dans vos fonctions, quel est le sentiment ou la réaction des autres présidents africains en rapport avec la situation de la Côte d'Ivoire à cette époque-là? Et la deuxième question, ça concerne l'Europe, si on peut dire, ou la Suède et la France. J'étais un peu étonnée de voir qu'il n'y avait pas de candidat africain en ce qui concerne les élections européennes. Si on regarde combien de personnes ou des Africains qui sont en France. Et je me demande quelles sont les stratégies ou quelle est la stratégie qu'on a, nous les Africains, pour pouvoir travailler ensemble, s'unir et pouvoir arriver à quelque chose. Ça, c'est ma deuxième question. Merci beaucoup. Jacqueline me donne le bébé, donc je vais le prendre. Et puis les autres camarades ici à la table de séance peuvent répondre. Ils ont le droit de parler. Voilà, ils ont le droit de parler, la présidente. Voilà. Bon, les chefs d'État africains, la réaction des chefs d'État africains, on va la situer à deux niveaux. D'abord au moment de la crise post-électorale et puis maintenant. Au moment de la crise post-électorale, on s'est rendu compte que les chefs d'État africains n'étaient pas solidaires de Laurent Gbagbo. Dans un premier temps, ils étaient solidaires. Parce que quand nous, on a été à la réunion, il y a eu une réunion à Addis Abeba, où tous les chefs d'État africains s'étaient rassemblés, je crois, si mes souvenirs sont exacts, c'était le 31 décembre 2010, quand au plus fort de la crise, les chefs d'État se sont réunis pour prendre une décision concernant la Côte d'Ivoire. Et au cours de cette réunion-là, la veille de la réunion, les informations qu'on avait faisaient état de ce que les chefs d'État, la majorité des chefs d'État africains, s'étaient alignés derrière Laurent Gbagbo. Pour dire que c'est lui qui a gagné les élections, étant entendu que le Conseil constitutionnel a validé son élection. Et puis il y avait une minorité qui disait non, c'est Ouattara, etc. Bon, en fait, la majorité était d'accord pour Laurent Gbagbo. Et puis on ne sait pas par quelle magie, on a vu le président Nicolas Sarkozy qui s'est invité à cette réunion-là. Il est venu, et le jour où il est arrivé, au moment où les chefs d'État africains devaient prendre la grande décision, on a vu que finalement, ils se sont tous alignés derrière la position de ceux qui étaient minoritaires, qui disaient que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Je ne sais pas si vous avez vu le document qui a été pondu par l'Union africaine. C'était un document très ambigu. On dit les chefs d'État africains, dans le préambule, hein, ils ont mis les chefs d'État africains, reconnaissent que c'est M. Ouattara qui a gagné les élections. Et puis, par la suite encore, dans le corps du test, on dit oui, Laurent Gbagbo n'a pas non plus perdu les élections. C'était vraiment quelque chose, nous on a vu ça, on ne savait même plus à quel sens se vouer. Donc il y avait une duplicité de la part des chefs d'État africains. Ils n'ont pas été suffisamment courageux pour prendre leur destin en main. Ils se sont laissés encore une fois dicter leur décision par la France. Et on est arrivé à cette situation-là. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a des chefs d'État qui se lèvent pour dire que ce qui est fait à Laurent Gbagbo, comme on dit chez moi, ce qu'on fait au poisson, vous voyez, le mâchoiron et puis le poisson silure, ils se ressemblent.
ce qu'on fait au mâcheron, on le fait automatiquement au silure. Il ne faut pas qu'il croit qu'il va échapper. Et donc, les chefs d'État africains voient que ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, peu du jour au lendemain leur arrivée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en train de reviser leur position pour dire que ce qui est fait à Laurent Gbagbo, ce n'est pas juste. Beaucoup le croient, beaucoup n'osent pas le dire clairement, mais certains, comme le président, certains présidents, on peut les citer, hein, le président de la Guinée équatoriale, tous ces présidents-là se lèvent aujourd'hui pour dire que ce qui est fait à Laurent Gbagbo, c'est pas une bonne chose. Donc voilà un peu la position des chefs d'État africains. Mais moi, je veux dire à la limite que la position des chefs d'État africains, elle est importante, hein, mais elle n'est pas l'essentiel. C'est la position des peuples. Que disent les différents peuples africains? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Et là, la réponse elle est très nette. Je pense que les Africains, aujourd'hui, là, pensent que le sort qui est réservé à Laurent Gbagbo est une injustice. Et beaucoup d'Africains... Voilà, et beaucoup de peuples africains aujourd'hui se lancent dans le combat. Et comme l'a dit le frère dans le fond là-bas, les Camerounais en sont la... Comment on va dire ça? Il faut le souligner, c'est le symbole le plus visible de cet attachement à la démocratie. Ce n'est pas à Laurent Gbagbo qu'ils sont attachés, mais c'est à la lutte pour la souveraineté des États africains. C'est à ça que les Camerounais sont attachés. Et quand il y a eu l'arrestation du ministre Don Melo au Cameroun, c'est pas les Ivoiriens qui sont allés manifester à l'ambassade, hein, à l'aéroport. Hein. C'est les Camerounais qui se sont levés, ils ont manifesté à l'aéroport et ils ont été obligés de libérer le ministre Awa Don Melo. Donc bravo aux Camerounais pour cette lutte. Au niveau des stratégies, je pense que la question elle doit être posée aux Africains qui résident en Europe. Oui, c'est eux qui doivent voir, c'est eux qui connaissent les rouages de la manière dont les choses se passent ici. Moi, vraiment, humblement, à mon niveau, étant entendu que je suis réfugié politique en France il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas trop comment les choses marchent et je ne sais pas comment est-ce que les Africains vont faire pour pouvoir intégrer le système de l'Union africaine ici. L'Union européenne. De toute façon, ça passe par les partis. Hein, donc, voilà. La question, c'est les personnes qui ont la nationalité de tel ou tel pays européen ou qui ont la double nationalité, comment ils se situent par rapport aux organisations politiques existantes. Et ça, ça peut être très variable d'un pays européen à l'autre. Donc là, effectivement, la réponse, on n'a pas la réponse en soi. Elle est dans la pratique. Effective, pays par pays, je dirais, parce que si ça se trouve, il y a des différences d'un pays à l'autre que j'ignore complètement. Elle veut donner. En fait, c'est tellement important. Kwasi Sarmi, voilà. Ok, la question elle est simple. Hein. Le thème c'est quoi? Laurent Gbagbo panafricaniste. Ok. Nous tous ne sommes pas panafricains, je parle bien. Être panafricain, c'est donner des doctrines de combat. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu compliquée, un peu pénible. Quelle est aujourd'hui la situation exacte au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il ne faudrait pas parler panafricanisme d'ailleurs, mais il faut parler panafricanisme interne. Et à partir de cela, qu'est-ce qu'aujourd'hui on propose au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir ce sentiment de réveil des panafricains? En fait, c'est le souci aujourd'hui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a eu le patriotisme, mais aujourd'hui, cette connexion panafricanisme, on ne sent pas trop en Côte d'Ivoire. Et tant qu'on ne sent pas ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses puissent avancer? Parce qu'on a l'impression qu'avec ce gouvernement, nous sommes en train de jouer. C'est pas qu'on ne joue pas au chat, à la souris, mais nous jouons comme si de rien n'était. Mais il faut se lever en tant que panafricaniste. Il faut qu'on puisse se lever pour que les choses puissent avancer. Qu'est-ce que nous proposons exactement? C'est ma question. Bien, si j'ai bien compris la question... du camarade Kofi, c'est de savoir donner la définition de panafricanisme. Donc je pense que c'est pas la définition du panafricanisme qui nous manque là, parce que dans la question nous avons déjà découvert la définition du panafricanisme. Maintenant, si nous passons au-delà du panafricanisme et le procès de Gbagbo, est-ce que nous avons la chance? Moi je vais répondre et puis Jacqueline va aussi ajouter son mot. Concernant la dernière question, quelles sont les chances du président Laurent Gbagbo?
Mais du coup, nous, comme on n'est pas des avocats, on n'est pas de la, au niveau de la justice, et puis il ne faut pas oublier que le procès du président Gbagbo est plus un procès politique qu'autre chose. Hein. C'est un procès politique, si vous regardez bien la CPI, qui tire les ficelles derrière? On sait que c'est Soros qui dit Soros, dit les États-Unis, dit la France, c'est toutes ces puissances formant la communauté dite internationale, qui tire les ficelles au niveau de la CPI. Et donc, pour eux, Laurent Gbagbo leur a fait un affront. Et le président Gbagbo lui-même, il a dit, j'ai signé mon arrêt de mort le jour où j'ai refusé de faire défiler mes troupes sur les Champs-Élysées. On avait demandé à ce que les chefs d'État africains viennent avec des troupes défiler sur les Champs-Élysées. Il dit, mais écoute, on n'est pas à la période coloniale. La période coloniale, c'est fini. Moi, je n'enverrai pas mes troupes défiler sur les Champs-Élysées. J'ai un contentieux avec l'armée française qui n'a pas été vidée. À savoir que l'armée française a tué des Ivoiriens aux mains nues et les enfants devant l'hôtel Ivoire qui ont été massacrés par l'armée française. On n'a jamais, c'est Maître Boutounieu qui conduit ce dossier-là, elle est l'avocat des victimes. Mais les Français n'ont jamais voulu ouvrir le procès. Et donc par rapport à tout ça, il dit qu'il a un contentieux, il n'envoie pas ses troupes défiler. Et c'était un affront, les Français pouvaient pas, la communauté internationale ne pouvait pas accepter que Laurent Gbagbo refuse de venir faire défiler ses troupes sur les Champs-Élysées. Il y a ça et puis il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc pour eux, c'est comme si Laurent Gbagbo les avait humiliés. Et ça, ils ont envie de se venger. Et c'est pour tout ça qu'ils l'ont amené à la CPI. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a violé des filles. Laurent Gbagbo, s'il veut avoir toutes les femmes de la terre, il peut les avoir. Soit dit entre guillemets. Je lui ai dit que c'est pas un malade mental pour aller violer des femmes ou bien pour faire telle chose. Tout ce dont on l'accuse, tout le monde sait que c'est faux. Maintenant, au niveau du procès, on va en faire confiance à ses avocats, à Maître Atit et à toute l'équipe qu'il a mis autour de lui, pour faire peut-être dans un premier temps, comme Jacqueline le disait, ils vont peut-être demander aller faire un recours, faire appel, pour que la décision soit cassée. Et puis après ça, bon, on va voir. Mais moi, je pense, hein, je n'ai pas encore vu le président Laurent Gbagbo, je n'ai pas encore eu la chance d'aller le voir à la CPI. Mais je crois que dans son fort intérieur, ceux qui l'ont rencontré peuvent le dire, il est content d'aller en procès, contrairement à ce que vous pensez. Il est content d'aller en procès. Pourquoi il est content d'aller en procès? Parce que ce procès-là de Laurent Gbagbo, ce n'est pas le procès de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui sera assis dans le box des accusés. Hein. C'est la France. C'est les États-Unis, c'est la communauté internationale. Lui, il n'est même pas important. Excusez-moi. Je parle même pas de lui. Depuis qu'on a commencé à parler, vous avez entendu que je vais parler de Ouattara? Jamais. C'est un chien de garde. C'est un préfet, donc moi je parle de. Un chien de garde, madame. Je parle des chefs d'État. Un chien de garde. Et donc, par rapport à ça, tout cela. C'est qu'elle t'a compris. Tout cela, ils vont venir. C'est mon frère. Après tout, les liens de famille restent. Et donc, voilà, moi je pense que c'est le procès de la France-Afrique. Et ça a déjà commencé avec le livre de Matéi qui est sorti, avec le livre de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le LIDEC, qui a sorti un livre aussi explosif. Donc, tout ça, comme dit Maître Atit, ça va sortir et ça va se savoir. Donc, c'est bien que Laurent Gbagbo, pour lui, qu'il aille en procès, on va tout entendre. Voilà, c'est le procès de la France-Afrique. On va, une bonne fois pour toutes, finir avec toute cette histoire-là. Et les Africains devaient soutenir Laurent Gbagbo dans ce combat. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc, on ne peut pas savoir quand il va être libéré, mais pour nous, c'est une bonne chose qu'il parte en procès. Voilà. Maintenant, pour la violence et tout ce que nous avons dit concernant la lutte, etc. Moi, je pense que c'est des stratégies de lutte. Et les stratégies de lutte, on ne vient pas les étaler en public. Une stratégie, les militaires, là, quand ils font la guerre, là, leur stratégie, c'est l'état-major, ils sont deux, trois personnes à être au courant, et ce n'est pas l'Assemblée qui est au courant. Parce qu'une fois que tu viens dire ta stratégie devant l'Assemblée, c'est fini, l'information va partir. Camarades, honorables invités, camarades, madame le ministre, au nom de la représentation du FPI en Suède et en Scandinavie, je voudrais vous transmettre les félicitations de cette représentation et de toutes les militantes, les militants, les sympathisants, tous les frères africains
qui ont répondu massivement à l'appel de notre parti. La joie est immense. Pourquoi elle est immense? Parce que hier, il a été pris une décision et que notre président sera traduit devant la justice. Mais il fallait en ce moment-là précis inviter les personnes proches de notre président, afin que les milliers de militants et militantes qui ont l'angoisse puissent quand même les voir. En les voyant, c'est comme le président y voyait. En les voyant, c'est dire, est-ce qu'il y avait l'espoir? Effectivement, il y a eu des questions qui ont été posées grâce à leur présence. S'il y avait l'avenir, s'il y avait possibilité que notre président serait libéré. Donc, je pense qu'il était très important qu'ils effectuent ce voyage ici et nous les remercions. Nous vous prions d'avoir un retour apaisé, un retour enrichissant. Soyez les ambassadrices pour dire que quand bien même la Scandinavie est à très loin, il y a des femmes et des hommes dont leur cœur bat pour la lutte que ce grand homme démocrate, ce grand homme panafricain mène depuis tant d'années. Ils sont aussi en Scandinavie, quand bien même c'est loin. Parce que quand on parle de la Suède, d'aucuns se demandent mais comment les Africains y vivent, parce qu'il se fait froid. Mais les Africains sont là, ils mènent le combat de Laurent Gbagbo. Ils sont à l'écoute. Donc soyez les ambassadrices et ayez un bon retour. Vous les frères et sœurs, les Africains qui êtes venus nombreux, au nom de la représentation, je voudrais vous dire merci. Les camarades, les militants, on dit souvent, c'est dans l'union qu'il y a la force. Unis, toutes les préoccupations que vous avez soulevées, ils trouveront une solution. Seul, un doigt ne peut pas faire quoi que ce soit. Et c'est unis qu'on peut avoir une force. La force de l'intelligence, la force de l'énergie, la force spirituelle. Parce que nous sommes à une traversée du désert. Quand on n'est pas en esprit, on n'y arrivera pas. Je suis heureux, nous sommes contents. L'équipe organisatrice, au nom du parti, on vous dit merci. Merci et la lutte continue. Je vous remercie encore que vous avez laissé vos familles et venir nous écouter, soutenir le combat de Laurent Gbagbo, soutenir le combat du FPI. Je vous dis merci au nom de toute la représentation. Merci et bon retour chez vous. La séance est terminée. Merci.